Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Diablo où on va parler de Lorasnar. Lorasnar, ce personnage qui n'a pas un nom ultra sexy, pas forcément connu de tout le monde, et pourtant c'est un personnage que vous avez forcément vu dans Diablo, et surtout, eh bien, c'est un personnage qui apparaît à Diablo 4. En effet, on en avait déjà un petit peu parlé sur certaines vidéos de Diablo. Lorasnar, on a la confirmation, c'est le narrateur de Diablo 4. Donc c'est un personnage que l'on croise très 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 tôt dans le jeu. Je ne spoil vraiment rien là-dessus, je vais rester très évasif. Et en l'occurrence, eh bien, la première apparition de Lorasnar, je vais même vous l'afficher parce que vous l'avez forcément vu. Et voilà, vous l'avez vu, vous l'avez vu, il est là, c'est oui, effectivement, c'est la personne qui escortait, enfin qui protégeait par Tyrael, Laura Dream qui avait protégé tout simplement la pierre d'âme noire, et nous l'avons eh bien retrouvée dans Reaper of Souls. C'est sa première apparition officielle. Alors techniquement elle est en jeu, donc on peut dire que c'est en jeu, mais au final il apparaît pour la première fois dans la cinématique de Reaper of Souls. D'ailleurs avait comme objectif à la base, c'était juste un personnage secondaire, mais finalement, eh bien, il fait partie des Aura Dream que Tyrael a reformé, et ses gardes avec ses lances assez uniques, et d'ailleurs au début du jeu on va récupérer sa lance, et c'est du coup la personne à qui Tyrael dit « va, cours, va chercher le Néphalem », et pour le coup, en jeu, il apparaît pour la première fois tout simplement avec eh bien, le début de Reaper of Souls, où on arrive près de Westmarch. Il y a un Aura Dream encapuchonné qui arrive, il est d'ailleurs doublé par Damien Boisseau, le doubleur de très connu pour le pour doubler Matt Damon, Edward Norton, etc. Et au final, eh bien, il arrive et il présente aux joueurs ce qui se passe, la situation, la pierre d'âme enlevée par l'attaque de, enfin enlevée par Maltael, l'attaque des anges déchus, etc., qui déferle sur le monde de Sanctuaire. Westmarch est attaqué, vous devez rejoindre Tyrael et aider Westmarch. Et c'est donc, eh bien, la première itération du personnage. Il apparaît également dans le livre Storm of Light, donc Tempête de Lumière, qui fait la transition, très très bon roman, qui fait la transition entre Diablo 3 et Diablo 3 Reaper of Souls. Donc, c'est vraiment Reaper of Souls qui le lance. Comme je le disais, voilà, il arrive. Peut-être que ça vous dira un peu plus aussi cette image. Il est dans l'intro de Westmarch. Il va nous accompagner, nous évoquer un petit peu ce qui se passe à Westmarch. Et ensuite, eh bien, il va continuer à nous aider. Hein, cette silhouette encapuchonnée avec la capuche et le petit bandeau, on va dire. Il sert de conseiller dans Reaper of Souls ensuite. Hein, il va nous accompagner donc pendant la libération, la protection de Westmarch, mais aussi il va nous escorter, nous aider et escorter tout simplement jusqu'à Adria. Et une fois qu'on a battu Adria, pour le coup, le personnage s'efface. Il restera là pour le late game, on va dire. Hein, vous avez des trucs, vous avez des choses à récolter et à lui donner. Il y a quelques interactions vis-à-vis des marchands, quelques discussions vis-à-vis de Tyrael. Il est tout simplement, en gros, le premier. Enfin, il fait partie des premiers Aura Dream réformés par Tyrael, vu que Deckard Cain était le dernier Aura Dream officiel. Qui avait fondé les Aura Dream? C'est Tyrael. Tyrael, avec son retour à Reaper of Souls, choisit de reformer les Aura Dream, et du coup il fait partie de cette première génération. Tout simplement, d'un point de vue scénaristique, il prend le relais de Léa dans Diablo 3 et aussi de Deckard Cain. Dans l'idée, même si Tyrael a plutôt le rôle de Deckard Cain dans Reaper of Souls, eh bien il est à côté, c'est vraiment celui qui apprend, etc. Donc c'est vrai que c'est plus le rôle de Léa, et au final, eh bien, il a un bon cœur, hein. il veut aider les humains, il veut aider les siens, et surtout les pauvres citoyens de Westmarch qui se font massacrer, qui se font moissonner par Maltael et les siens. Donc, on le retrouve des années plus tard. Il s'écoule une trentaine d'années entre Diablo 3 et Diablo 4. J'en reparlerai un petit peu dans la vidéo de... Enfin, j'avais déjà parlé dans la vidéo de chronologie, mais je mettrai à jour tout ça je mettrai à jour tout ça tout simplement dans les commentaires. Mais globalement, eh bien, on le retrouve vieux et reclus. Mais comme on le voit avec la broche, et ça c'était l'une des premières présentations du personnage pour Diablo 4, eh bien, il a toujours la broche Aura Dream. Et il a surtout les couleurs de Deckard Cain, assez bleu foncé, un bleu roi à peu près. Et eh bien, c'est tout simplement l'un de mes... Enfin, c'était le call le plus probable, sauf s'ils avaient créé un personnage pour l'occasion.
Je suis assez content, je me suis pas trompé, c'était effectivement le Rasnar, et donc il va servir de point de relais entre Diablo 3 et Diablo 4, et tout simplement, eh bien, il devient l'un des derniers Aura Dream. Ce n'est pas le dernier Aura Dream, mais l'un des derniers Aura Dream à Diablo 4, et comme je le disais, c'est le narrateur principal de Diablo 4. Il reprend complètement dans cet opus le rôle de Deckard Cain, à savoir celui de conseiller, celui qui mène un petit peu le combat des Aura Dream face aux démons, et aux menaces, menaces contre l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est que le quatrième grand livre de lore Diablo, on avait cette espèce d'encyclopédie que Diablo a pu sortir avec le livre de Deckard Cain en premier lieu, qui était sorti à Diablo 3, le livre de Tyrael qui faisait la suite avec du contexte concernant Reaper of Souls, et d'ailleurs il y avait Laura Snar qui était un petit peu évoquée dedans. Nous avions ensuite le troisième volet qui était le livre d'Adria. Pour le coup, le livre d'Adria, lui, est pas du tout obligatoire, enfin, de base, de toute façon, les livres comme ça sont pas obligatoires, mais si vraiment vous aimez l'univers de Diablo et que vous avez envie de débuter, dans Warcraft, il y a Chronicle. Pour le coup, dans Diablo, c'est le livre de Deckard Cain, le livre de Tyrael. Ils sont réédités, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de commencer quelque part pour l'univers étendu, livre de Deckard Cain, livre de Tyrael, le livre d'Adria peut attendre, il n'est pas obligatoire, et j'ai fait une critique du livre il y a quelques années dès maintenant. Par contre, le livre de Loras semble s'inscrire véritablement dans la lignée du livre de Deckard Cain et de livre de Tyrael, avec pas mal de petites clés de lecture qu'il devrait apporter pour les joueurs de Diablo 4. Donc c'est quelque chose, je ferai une vidéo de façon de critique quand il sortira, parce que c'est un livre qui m'interpelle beaucoup, j'ai hâte de le voir. J'espère évidemment qu'il n'y aura pas de choses obligatoires dans le livre ne pas présent en jeu, ce serait dommage. Mais d'un autre côté, il est là pour apporter un petit peu de plus, donc c'est toujours assez intéressant, et surtout du contexte de Diablo 4. D'ailleurs, avec un petit aperçu qu'on avait eu, c'est celui qui apparemment donne les infos concernant le délai entre Diablo 3 et Diablo 4. Donc voilà, les clés de lecture et de compréhension, et du coup bah c'est son livre à lui, et comme vous le voyez, il y a la broche Aura Dream, hein, c'est tout simplement le symbole que vous avez au niveau de sa petite broche, et c'est tout simplement l'un des symboles que l'on peut voir. L'œil ne veut pas forcément toujours tout dire, il y a plusieurs représentations, mais généralement cette espèce de rond avec les deux broches sur le côté, les espèces de pointes, ce qui en fait un symbole un peu agressif, le symbole des Aura Dream, mais en même temps ils sont là pour garder et protéger le monde du mal, l'enfermer pour pas qu'il tombe entre de mauvaises mains, donc c'est assez compréhensible que ça soit assez dissuasif aussi comme symbole. Ce qui est intéressant avec le Rasnar, j'évoquais que c'était le nouveau Deckard Cain, maintenant je vais essayer d'apporter un petit peu de nuance, parce que Diablo 4 ne tombe pas dans l'erreur de faire un copier-coller de Deckard Cain, même si bien sûr, visuellement, il vous indique très rapidement c'est le nouveau Deckard, c'est le vieux qui va vous aider, etc. Mais la différence, c'est comme on le voit, eh bien le Rasnar, les deux choses qui, on va dire, le caractérisent, c'est le côté défenseur, et à ne pas oublier que les Aura Dream, c'est pas juste des vieux dans des tours qui lisent des livres et qui parlent comme ça. Ce sont des mages de guerre, ce sont des combattants qui ont été formés, choisis, triés sur le volet par Tyrael à l'époque, aujourd'hui il y en a un petit peu moins. Et donc, par exemple, le puissant, le très grand Tal Rasha était l'un des chefs des Aura Dream. N'oublions pas que Zoltun Kul était un Aura Dream. Donc il n'y a pas juste des vieux qui lisent des bouquins. Il y en a aussi, parce qu'il y a besoin de cette transmission du savoir pour mieux combattre ton ennemi, hein, connaître ton ennemi pour mieux le combattre. Laura Snar, eh bien justement, agit un petit peu comme ça. Il représente un petit peu le Tyrael de Diablo 3, un petit peu le Deckard Cain avec les connaissances, mais n'oublions pas, eh bien, qu'il a une grosse lance. Et ce que j'aime bien avec Diablo 4, c'est que on a vraiment, voilà, cet hommage avec la tenue, le vieux monsieur qui nous conseille, etc. Mais d'un autre côté, il a vraiment une personnalité différente. C'est un personnage assez bourru, et on sent très rapidement avec certains plans, certaines cinématiques, qu'il faut pas le faire chier, et on nous le fait comprendre très bien. Donc pour le moment, je n'ai pas fini la bêta de Diablo 4, mais j'aime beaucoup ce qu'ils font du personnage. Je le trouve assez attachant, la mise en scène aide énormément aussi, mais donc c'est assez cool. Et par exemple, toute la connaissance démoniaque n'est pas, c'est pas Laura Snar qui va nous la distribuer. Laura Snar, lui, il va nous donner des points, évidemment, il a des connaissances, il a des bases de magie, il en parle lui-même, il est un peu touche à tout, Laura Snar. Mais au final, par exemple, celui qui est beaucoup plus sur les livres et sur la connaissance démoniaque, c'est l'un des autres Aura Dream de Diablo 4, à savoir Danon. Oui, c'est Danon d'ailleurs, pas la marque, hein, bien sûr. Et donc, eh bien, on en saura plus sur le Rasnar. Pour le moment, pas de spoil. Moi-même, je n'ai pas encore terminé la bêta.
On en saura plus avec Diablo 4, mais le personnage, ma foi, est assez intéressant et méritait de répondre probablement à beaucoup de questions. Qui est ce personnage? Je l'ai vu, je ne sais pas qui c'est. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on devrait connaître. J'ai eu beaucoup de questions et c'est tout à fait évident et tout à fait logique que vous ne sachiez pas qui il est. C'est un personnage vraiment de relais. Pour la petite anecdote, à la base, il devait pas avoir de développement. Ça devait être juste le personnage qui, dans la cinématique, on explique, on prévient. Enfin, il faut qu'il y ait un survivant pour raconter l'histoire, globalement. Et en fait, dans le développement, ils ont décidé, tout simplement, vu que c'était aussi lui qui a servi l'introduction aux joueurs, et bien ils ont décidé à Reaper of Souls de lui donner plus d'importance, notamment avec le côté un petit peu nouvelle Léa qui est là pour... on sent qu'il est dans l'apprentissage des Aura Dream, de la voix Aura Dream, et qui va faire de la récolte d'informations, de connaissances, et qui va nous aider un petit peu dans ses tâches, et il est assez attachant à ce niveau-là, même si là, bien sûr, à Diablo 4, on a un Laura Snar beaucoup plus vieux qui est celui qui va nous apprendre des choses. Donc voilà, on a vu le début. Et on l'a vu plus dans un âge plus mûr, dirons-nous. Donc, ils grandissent si vite. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Peut-être que vous regarderez la vidéo de Reaper of Souls d'un œil différent, maintenant, en sachant ce que vous avez sous les yeux. Plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le lore de Diablo. Bisous, bisous. Oui, bonjour, c'est Mephisto. Je vous appelle parce qu'en fait, le petit Laurent Snar, là, j'ai l'impression qu'il essaye de faire du grail à ma fille. Ça me plaît pas beaucoup, ça. Je suis le seigneur de la haine et je commence déjà à pas beaucoup l'apprécier. Coïncidence? En tout cas, pour m'apaiser, n'hésitez pas à suivre le YouTube, le Twitter, le Facebook et la chaîne Twitch. Évidemment, on suit les lives. Plein de bisous. Au revoir.